moi, c'est pas pour marcher simplement qui s'est trouvé dans ma tête. Je voudrais trouver une solution pour aider ceux qui sont derrière moi. Parce que si moi je mange, sache que moi je pense si ma mère a mangé ou mes petites soeurs. Si tu as... Avant moi je ne pensais même pas pour payer une chaussure pour moi ou bien un t-shirt. Parce que mon esprit ne vient pas sur moi. C'est par à mes parents et mes petites soeurs. Dans toute ma conscience, si elles, ils sont bien, moi je suis très bien. Tu sais, pour moi seul, pour gérer ma vie, ça ne me rend pas compliqué beaucoup, beaucoup. Parce que peut-être, moi seul, je peux vivre. Si j'ai, c'est moi qui savais. Si j'en ai rien, c'est moi qui savais. Mais mes parents... Ils ont dit que toute l'Europe, c'est l'Europe. Moi, c'était pas pour marcher simplement, j'avais besoin de travailler. Le moment qu'ils m'ont dit que tu ne peux pas travailler si tu n'as pas de papier, ça m'a rendu beaucoup malade. Parce que je ne savais pas quoi faire. C'est que moi, je n'ai jamais cherché dans ma vie pour dire si tu n'as pas de papier. Moi, je n'ai jamais eu de papier à mettre. C'est, au début, ils mettent des rendez-vous pour faire le premier interrogatoire. Oui, c'est-à-dire pour évaluer si on te concède l'asile ou non. Ils prennent un certain temps. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il y a un avantage. C'est pendant qu'ils ne te donnent pas la réponse, tu es comme dans une parenthèse, disons, légale. Oui. Plus de temps y passe, au moins, tant qu'ils n'ont pas refusé, on pensait que ça allait être plus long, parce que normalement, c'était plus long. Ibrahima, il avait eu la réponse assez vite, disons, en comparant les autres. Mon intention, c'était que, comme il y avait quand même un temps, presque un an ou 10 mois, de faire quelque chose pour lui donner à la police, c'est-à-dire. Mm-hmm. Et donc, pendant longtemps, moi, la deuxième personne qui apparaît dans ce livre, c'est-à-dire le toit ou sous, je visualisais ça comme le police qui allait recevoir le dossier. Après, il y a eu un changement, c'est que d'un jour à l'autre, ils ont changé les critères sans savoir pourquoi. Et le rendez-vous qui était fixé pour octobre, je ne sais pas quand, ils l'ont fixé, ils ont eu un avertissement. Du coup, ils l'ont mis en mars, je crois. Mars ou avril, je crois. Oui, avril. Avril. On ne sait pas pourquoi, ils ont tout changé. Ils ont avancé de 6 mois tout. Donc là, du coup, bon, notre travail qui était déjà... commencer, moi, l'idée, puis l'histoire que je m'imaginais dans la tête, j'avais pas de temps. En plus, deux, je pensais que c'était peut-être donner trop d'importance à un policier qui allait peut-être même pas lire le dossier, encore moins en basque. Donc, une personne comme Ibrahima, dans son histoire, est très tragique, mais malheureusement, notre système ne considère pas toute cette tragédie comme quelque chose pour donner... l'asile.